Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de météo. Au programme, du soleil et des nuages dans un premier temps, s'ensuit un temps plus sec et froid pour la fin de semaine. Après un ciel bien couvert ce lundi, il va se découvrir progressivement mardi matin. Avec le retour du soleil, la présence de nuages reste tout de même possible. Côté température, comptez 2 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à Fontenay-le-Comte, 4 degrés des Sables-d'Olonne à la Tranche-sur-Mer et 5 à 6 degrés sur les îles vendéennes. Dans l'après-midi, les nuages se renforcent, notamment, vous le voyez, sur les îles. Le ciel garde tout de même une bonne luminosité. Concernant le mercure, on atteint les 10 degrés maximum du côté de la Tranche-sur-Mer. Ailleurs, on compte une moyenne de 8 à 9 degrés seulement. On passe aux prévisions des trois prochains jours. Mercredi, même principe, le soleil s'annonce généreux en première partie de journée avant l'arrivée des nuages. Ils sont une nouvelle fois plus nombreux sur les îles. À noter, donc en fin de journée, une petite perturbation pourrait aborder la Vendée, donnant quelques faibles précipitations côté mercure. On attend de 1 à 11 degrés. Jeudi, le brouillard s'installe dans les terres en matinée. Le long du littoral, le soleil brille généreusement. Puis dans l'après-midi, une couverture nuageuse s'installe sur la majeure partie du département. Le thermomètre affiche de 2 à 7 degrés de moyenne. Et puis vendredi, retour du soleil. Il brille du matin jusqu'au soir. Les températures baissent, comptez moins 2 degrés minimum au réveil et 7 au meilleur de la journée. On revient à notre mardi 18 janvier, jour de la pleine lune. Le soleil se lève dorénavant à 8h43 et se couche à 17h49. Nous grappillons de nouveau 3 minutes d'ensoleillement. Et puis dernier point, la mer est belle avec des coefficients de 74 et 76. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Bonne journée et à bientôt.